les bus sont presque à côté à toi, comment vas-tu? Ah, mais écoute, nous avons quelqu'un qui va faire le travail ce matin. Voilà, très bien. Il n'y a pas de souci. Je t'avais envoyé ce qui a été monté une fois, là. Voilà, donc, quand j'essaie de répondre, vous êtes dans l'incertitude, ce qui va faire dans la ville. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite rencontre pour. Putain, j'ai un peu de QRM là, j'arrive là au pied là, du pont d'Aquitaine. Voilà, là tu vas bientôt mieux m'entendre. Et oui, j'ai vu ton SMS ce matin quand j'ai rallumé le téléphone, Hachi. Alors je me suis dit à 4h30, 5h moins le quart, j'allais quand même pas te répondre au cas où je réveillerais que tu iras. Ah si. Oui, c'est pas grave. Oui, non, j'ai pas compris à 4h30, ça faisait tout quand même pour moi. Ok, donc je demande, c'est super. Tu étais dans les Bouches du Rhône, c'est ça? Ah mais Arles, carrément là au nord de la Camargue. Eh bien, t'as des OM là par là-bas, là en fréquence. Tu as Patrick de la Camargue, par exemple, qui a l'initiative du QSO national du canal 27. Là, t'as pas mal de monde en fréquence par là-bas. Quoi. Ok, ben non, j'ai pas fait le matériel parce que la propriétaire m'a dit. Ok, j'ai cru comprendre que il y a des zones là, au secours, putain c'est QRM là ce matin là. Ok, tu retournes au mois de septembre. Ah ben dis donc, à croire que t'es déjà à la retraite mon cochon. Tu te comportes comme si t'étais un retraité, Hachi. Ah mais écoute, le mois de septembre, ça sera le congé de 2015. Là c'était les congés de 2015 que j'ai utilisé. Et là au mois de septembre, ça sera les congés de 2016. Hein. Voilà, donc tranquille. Hein. Ben non, c'est sympa, c'est joli, mais bon, je préfère quand même nos régions qu'on a par ici, là, le long de la Dordogne, tout ça, c'est quand même beaucoup plus. Visitable et tout ça, hein, parce que alors là-bas, sans être raciste, ils comptent les petits blancs, hein. Voilà, ça vaut beaucoup plus de petits gris, là, si tu veux faire des escargots à l'escadette, il n'y a pas de souci. tranquille, 30 kilos d'escargots à l'escadette, là-bas, pour un petit gars, un petit gris, ouais. Hachi trois coups. Ah mais autrement c'est vrai que la Camargue tout ça c'est une région que j'aime bien quoi. J'aimerais bien retourner par là-bas hein. Justement là ces grands espaces un peu désertiques marécageux ça donne une petite touche un peu plus sauvage quoi.
par rapport à chez nous, assez verdoyant chez nous, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu trop urbanisé, là, par chez nous, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ouais, on a bien ça aussi, Rémi. Mais bon, quand même. Même, tu vois, on peut se mentaler, ça, c'est le grand virage de Martignac, là, au bout de la Poudrerie, parce que je lâche le micro. Des trucs à voir au moins une fois, ça. Hein. Et quand je suis allé avec Fabienne justement là-bas, là, sur la Camargue, on est allé en moto. Alors donc là, c'est quand même plus facile, tu t'arrêtes où tu veux et tout, ça. Mais on n'était pas descendu là jusqu'en bas, quoi. Puisque là, cette année-là, on était parti pour faire toute la Côte d'Azur. Alors donc, on a commencé par Arles, descendu sur la Camargue, puis après on a longé toute la côte comme ça, Marseille, Nice, Cannes, là jusqu'à Monaco, quoi. Voilà, on avait fait tout ça en une semaine en plus, quoi. Donc on n'a pas trop traîné, quoi. On était passé sur Arles, donc voilà, ça a l'avantage du carré. On était pas loin de tout et voilà quoi. Donc je disais que ça nous a permis de faire tout ce qui était autour là. C'est là que je suis parti qu'une semaine. Donc on savait que tout ce qui était autour dans l'Arles, tout ce qui était vraiment à côté. Et là, moi, j'attends, on va descendre, on va faire davantage dans les terres, on ira un peu plus loin, en fait, on a un peu plus de temps, hein. Voilà, bon, ben là, on a fait quoi, donc on a fait des Côtes-de-Marie, on a fait tout, on a fait les Côtes-de-Provence, on a fait, les Côtes, Pyrénées-de-Provence, Tarascon, qu'est-ce qu'on a fait ça, c'est des vacances. Voilà, la visiter, pouvoir profiter là, du pays, de ça voir un petit peu tout ce qu'il y a, de ça. Ça, oui, je préfère des vacances comme ça que, comme je vois certains, rester à attendre comme ça toute la journée sur la plage, que le temps passe. Ça, non, c'est vraiment pas mon truc. Alors que ce que tu as fait là, c'est quand même nettement mieux, quoi. Autrement, nous aussi, hein, les vacances, eh bien, ça sera pour début septembre. Je ne sais plus ce qu'elle a marqué. Je ne sais plus si c'est dernière semaine d'août, première semaine de septembre ou les deux premières de septembre. Enfin bon, bref, c'est dans cette période-là, quoi. Moi, je repars début septembre. Hein. On ne sait absolument pas du tout si on part, de quel côté, rien. Je vois la dernière coup là qu'on est parti en vacances, ça s'est pratiquement décidé au dernier moment là qu'on prenne la direction de la Bretagne. Là, j'ai aucune idée. Rien.
Ok, d'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai. Voilà, c'est. On voulait faire un province, là. Oui, j'ai 45 et j'étais pas revenu en province, là. J'ai 45 et j'étais pas revenu. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait. Ça a bien changé. Ça a bien changé et. Donc, non, c'est vrai que c'est une région qui est. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, donc c'est pour ça là. C'est bon, c'est pas l'intermédiaire, c'est vrai que c'est atypique. Mais tu vois, les villages et tout ça, c'est pas. Je m'attendais à mieux, tu vois. Mais je pense que plus on ira sur la. Les arbres de notre province, tout ça, je pense que ça sera beaucoup plus joli. Plus atypique là que les Bouches du Rhône. Hein. Les Bouches du Rhône, bon, c'est joli, mais bon, on s'en fait, quoi. Hein. Voilà, donc on verra ça au mois de septembre. Voilà, je te dirai ça en retour. Ah, oh, bah quand même, c'est quand même une région qui est très belle, hein. J'aime bien moi par là-bas. Hein. Plus toute la partie Pyrénées. Attends deux secondes. Ah oui, non, j'ai pas dit que c'est pas ça, c'est super joli, c'est magnifique. Mais bon, voilà quoi, c'est vrai que quand je vais dans le nord, tout ça, et tout, les maisons. C'est quand même, voilà quoi, c'est de la jolie pierre. Bon, après, c'est vrai que chaque région a sa beauté, quoi. Mais c'est vrai que là, voilà. Ça passe au mois de septembre, ça fait une intention là, du côté des Alpes, des Alpes de notre province, hein. Je pense que ça sera un peu plus Ah oui, quand même. Ah ouais, on est passé par la départementale. On s'est arrivé à Oh ben tu sais, nous là pour le QSO de vendredi soir, samedi soir, ça a été très compliqué aussi avec les orages. Hein. Il a fallu qu'on passe rapidement aussi en QRT. Hein. Ah ouais, à ce point, d'accord. Ah ouais, donc ok, allez, voilà, mais écoute, moi je suis rendu là, ça y est, là je suis. Et puis, voilà. Ok. Voilà, ok pour les QSO. Je vais te laisser là, parce que je suis rendu. Voilà, je ne sais pas si tu veux, si tu es loin là de là où tu sais où tu vas. Qui est jusqu'à quand là-bas? René? Oui, attends deux secondes. Je peux pas tout faire en même temps. Hachi, même s'il y en a qui s'imaginent que j'ai dit ben, c'est pas possible. J'ai pas regardé pour juillet, mais pour juin, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis là. Demain, je suis encore là. Mercredi, repos. Jeudi, vendredi, je suis encore là aussi.
Mercredi, je comptais passer la débroussailleuse chez moi. J'ai vu la météo, je crois que ça va pas être la peine. Donc, demain matin, jeudi, vendredi, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ok, Rudy. Allez, je vais te souhaiter bonne journée et puis bon courage à toi aussi. Ok, eh ben, fidèle au poste comme d'habitude, là où tu sais à Mérignac. Voilà, allez les 73-50 à toi, amuse-toi bien et peut-être à demain matin. Ok, René, ouais, de demain matin, je serai là aussi. Allez, le 73 et à tous ceux qui auraient écouté. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Ok, ça marche, tous à retourner, bye. La caisse était sur le bureau, la caisse. C'est ça, ouais. À mon avis, ils ont dû prendre que ça.